Nagami Games, une chaîne que je recommande. Hola tout le monde, ici Nagami, aujourd'hui on se retrouve enfin sur un jeu qui est démocratisé de tous, mais que pourtant je ne l'ai lancé que deux fois dans ma vie, c'est-à-dire Minecraft, pour une aventure suivie sur une map aventure qui s'appelle Friends River. Ah mon dieu, qui c'est qui est avec moi? Salut tout le monde, c'est Splinter. Voilà, et comme le nom de la map le suggère, c'est-à-dire Friends Revenge, on devra coopérer en fait pour cette map aventure à deux, et j'espère que ça va être vraiment, vraiment sympa. Ah, sympa. Donc on va Robin, présente-toi, je t'en prie. Bah écoutez, j'ai 16 ans, je m'appelle Robin, et j'ai une chaîne YouTube tout comme Nagami, avec moins d'abonnés, certes. Disons que j'ai eu quelques petits problèmes, mais bon, c'est pas grave, vous verrez ça sur ma chaîne si vous y allez. Voilà, bon, on essaie de faire ça quick parce que j'ai hâte de commencer, je t'avouerai. Alors, il est conseillé de pouvoir cheater si jamais il y a un bug dans les salles de test. Vous n'êtes pas censé apparaître avec des objets, il est interdit de sortir du parcours prédéfini ou de tenter d'échapper à une mort certaine. Il est interdit de suicider de manière stupide. Ah, c'est dommage ça pour moi. Vous avez le droit de frapper votre partenaire, même s'il meurt, vous serez bloqué comme un idiot. Ah, c'est con. Ah, dommage. Demandez. L'emploi de pouvoir magique est interdit, vous pouvez cependant me maudire si vous êtes bloqué. C'est bien, il a de l'humour. L'utilisation de poney rose est interdite, vous pouvez cependant être accompagné d'un lama. Ah bah tiens, ça tombe bien Nagami. Oh, c'est génial. J'ai le droit à un lama, c'est incroyable. Ah non, quoique en fait je vais remettre les graphiques en mode... je te laisse terminer. Ok. Jouer en peaceful, vous ne mourrez que lorsque je l'aurai décidé. Ouais d'accord, c'est lui le maître tout puissant. Ne placez et ne détruisez aucun bloc, sauf avec un briquet. Cette map se fait à deux, ni plus ni moins. Tu veux continuer ? Oh, vas-y, allez hop. Les personnes ayant plusieurs personnalités comptent comme un seul joueur. Gollum, tu vas devoir trouver un partenaire. Oh, quelle magnifique voix. Allez, vamos. Alors, oui, les autres ont des lits et pas vous. Les autres, quels autres ? Vous êtes seuls. Nous sommes seuls. Hey, alors, bon, vous l'aurez remarqué, Splinter, enfin je sais pas comment je devrais t'appeler, Splinter, Robin, comme tu veux. Bon, je vais t'appeler. Ouais, je vais t'appeler Robin. Et moi je t'appelle Colin. Ouah, trop la classe, parce que pour ceux qui ne savent pas, oui, je m'appelle Colin. Alors, vous aurez remarqué, il a un super skin, et puis moi aussi j'ai un super skin parce que. Ubisoft Power. En mode Ubisoft Power, exactement. Moi je suis habillé en Ezio, et lui il est habillé en. Splinter Cell. Je vais dire Sam Fisher, mais... Oui, alors, n'appuyez sur mon réticule... N'appuyez pas sur mon réticule, s'il vous plaît. D'accord, ça suggère qu'on doit appuyer. Et je te jure, ça me démange. On appuie ou pas? Non, on va... ça va te faire péter, je sens. Félicitations, prenez chacun une entrée pour avoir du gâteau. Ok, d'accord. Moi, je vais à droite, tu vas à gauche. C'est parti. Tu es prêt? Pouf. Allez. Pouf. Oh, je vois ton nom à travers le mur. Oh, moi aussi. J'ai une vision nocturne. Ah oui, d'ailleurs, pour la petite histoire avec les pseudos. Tu t'en souviens? Oui, c'est vrai. Pourquoi je peux pas faire? Voilà. Ah oui, on voit pas mon nom, c'est dommage. Ah oui, non, pour le coup, on voit pas mon nom. Ah, c'est dommage. Bon, en gros, en fait, je m'appelle Mister Nagami parce que Nagami, ça a pas été pris. On a tenté Nagami Games 77 parce que représente les paysans. Vas-y, je t'invite à monter en attendant. Oui, effectivement. Nagami 77, les paysans, bah, ça marchait pas. Enfin, ça a marché, mais bon, je trouvais ça un petit peu débile comme nom dans le sens où... En fait, Robin m'avait dit, ouais, vas-y, faut que tu te crées un compte sur Minecraft.net. Bon, d'accord, ok, je teste plusieurs pseudos débiles. Et dans la précipitation, j'ai fait ok, envoyez le compte. Et après, il m'a dit, tu savais que le nom que t'as mis là, en fait, ça va être le nom que tu vas utiliser dans toute la vidéo. Et je fais non. Bon, allez, un peu de concentration. Allez, un peu de sérieux. Vas-y, reste bien en arrière sur le bloc. Reste bien. Attends, je vais remettre en mode TPS, voilà. Ok, tu es prêt? 3, 2, 1. Hop là. Non. Ah si, non, j'étais dessus. Ah, le vieux lag. Ok. 1, 2, 3. Voilà, joué. Ok. 1, 2, 3. Hop. Et 1, 2, 3. Hop. Ok. Non. Il s'est passé quoi? Je sais pas, il y a eu un petit bug. Vas-y, on recommence. Allez, 1, 2, 3. Hop. D'accord, bah alors, je me prends le truc en plein dans la tronche, c'est bon. Normal. Ok. Ah, je suis dessus. C'est quoi ce bug? Oui, tu es dessus, il y a eu un petit bug, moi aussi au début je ne pouvais pas dessus. Enfin, bon, bref. 1, 2, 3.
Voilà. Connexion de paysan, oui. Ouais, c'est clair. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Voilà. Enfin, ça permet de discuter. Ok, alors reste en haut, j'arrive et je te donne le petit nugget. Alors, bon, vous aurez remarqué qu'on a vous aurez remarqué qu'on a quand même une certaine forme de coopération assez avancée, c'est-à-dire que en fait, tout à l'heure, on a commencé, mais le seul truc, c'est qu'on a fail le record. Ouais. C'est pourquoi. Non, Pépite, bon, reviens. De toute façon, on n'est pas allé plus loin que cette salle. Donc, Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'on n'est pas allé plus loin. Ah, faut que je te donne le briquet, donc maintenant, faut qu'on recommence. Allez. Voilà, ah, hop là. Bon, je vous avouerai qu'après cette étape-là, on n'est pas allé plus loin, donc ça va être vraiment de la découverte après. Allez, voilà. 1, 2, 3, hop. D'accord. Mon pauvre, c'est toi qui te tapes le truc le plus dur quand même. Ouais, ouais, non, c'est clair. Mais bon, tu es Assassin's Creed, ça devrait pas te poser de problème pour l'instant. Ouais, c'est clair, sauter sur le mur et tout. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Ah là, pour le coup, je me prends vraiment pour un assassin, là. 1, 2, 3. Ok, et enfin le dernier, 1, 2, 3. Soleil! Wouh! Ouais! I'm on! Yeah, come on, guy. J'arrive. Tac. Wow! Il n'apparaît de nulle part, cet homme. Ah! Tu es là, c'est bon? C'est bon. C'est bon, alors bamos en bas. Donc en fait, le petit fail du record tout à l'heure, c'était tout simplement parce qu'il y avait encore Essential Protect sur le serveur, ce qui fait que bah, rien ne pouvait cramer, hein, tout simplement. Donc croisons les doigts pour que ça marche cette fois-ci. Ah, voilà! Pour les abrutis comme moi qui ne savent pas ce que c'est qu'Essential Protect, je t'invite à leur expliquer. Alors, Essential Protect est un plugin que l'on peut rajouter à Minecraft, en fait, enfin sur les serveurs, qui permet tout simplement de protéger les constructions du feu, c'est-à-dire que le feu ne se propage pas, et aussi, par exemple, des explosions de creepers. Tout simplement. Oh, c'est pas mal, ça, c'est vachement pas mal. Et du coup, bon. Ça me fait un petit escalier, donc je vais attendre que ça finisse de cramer, parce que... Bon, allez, je vais y aller, hop, je suis un fou. Ça a l'air super, j'ai un petit bouton. Oh, qu'est-ce que ça ? Oh oui, le mur de je ne sais pas quoi s'est effondré, d'accord. Ce tube est inutile, presque autant que vous. D'accord. Bon, ça va. Sympa. Donc j'imagine qu'il va encore falloir que tu le fasses cramer, génial. Ah, faut que tu me refiles le bruit. Oh, oh non, là, t'es là, sérieux là. Eh oui. Ah, oh, mais c'est un plan galère cette map, mais c'est un truc de ouf. Vas-y. Allez, hop, on recommence. Oula, oulala, 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 ça lag. Pardon, attends, je remets en mode troisième personne parce que c'est vrai que c'est quand même plus pratique. Vas-y. D'accord. 3, 2, 1. Non! C'est le 3-2-1 qui te perturbe. Hein. Oui, voilà, parce que je suis habitué au 1-2-3. Vas-y. Voilà, allez, 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. Et non, je ne me répète pas du tout. 1-2-3. Non! 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 C'est pas possible! Bon, allez, on recommence, allez. Cette fois c'est la bonne. Allez, 1-2-3. C'est Peggy la cochonne. Oh non! Eh ben non, c'était pas la bonne. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, j'ai sauté, gars! Mais. Oh, bon, par contre, c'est vrai que là, je peux pas mentir pour le coup parce que tout le monde voit ce que je fais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et enfin, 1, 2, 3. Les cours de maternelle présentés par TheSplinter077 ainsi que moi-même. Ouais. Xsplint HD, pardon. Ah, oh, décidément, j'ai vraiment du mal à m'y faire avec ton nouveau. Ah, mais appelle-moi Splinter ou Robin, hein. Moi je m'en fiche, c'est simplement une question de pseudo sur YouTube. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, on repasse en mode vue normale, on prend le briquet. On passe en mode pyro-barbare. Oh non, non, meurs pas comme ça. De l'eau, de l'eau. Ah, c'est bon. Oh là là, ah non, ça c'est vraiment la bêtise à pas faire quoi. Pourquoi ça brûle ici aussi ? Bah t'inquiète pas, ça va pas se répandre très longtemps, c'est du métal. Le métal ne brûle pas. Ouais bah, c'est pas ce que ça a l'air de montrer hein. Bon, ok, c'est cool, j'attends que vraiment tout s'éteigne parce que je suis une chochotte. Ce tube est presque... Ok, alors, voilà. Poubelle à briquet de collection de grande valeur. Bon, tu sais quoi, je veux le garder hein, parce que ça fait toujours... Ah bah non ! Non, je pense que ça ouvre ma porte, ouais. Je m'en doutais. Voilà. Je m'en doutais. Je le reveux. Ah, nous sommes ensemble. Oh mon dieu. Ça y est, nous sommes de nouveaux amis. Mmh. Ouh là là, c'est sombre, ouais. Là, c'est dark. Alors, vous aurez remarqué que sans plagier The Fantasio 974 et Bob Lennon, on va vous proposer la Nagavision et la Splintvision. Voilà. Qu'est-ce que c'était recherché comme nom ? En mode Super Quake Pro. Alors, vous avez donc compris que vous devez activer les deux plaques à pression en même temps, enfin je l'espère. Alors, où sont les plaques de pression ?
Ce levier est hautement inutile. Je suppose qu'il va falloir les chercher. Ah, j'ai un escalier, moi. Attends, je vais voir. J'ai un escalier. Ah, voilà, plaque de pression. Attendez-vous à un résultat explosif, moi. Ha, ha. Alors là, c'est bon, je suis sur la plaque de pression et je pense qu'il va falloir que tu en trouves une aussi. Ah oui, il y a un escalier par ici. Oh mon dieu, qu'est-ce que ça lag. T'as vraiment une connexion de paysan. Ah, ça y est, je suis dessus. Attends. Attends, moi je me mets derrière, tu vois. Enfin, tu sais, la plaque juste derrière la plaque de pression et après on marche dessus en même temps, d'accord? Ok. Quand okay. Tu veux, 3. 1, 2. Bon, cool. vas-y, c'est toi qui compte parce que t'es le compta depuis ce matin. Là. Enfin, d'accord. Depuis tout à l'heure. 1, 2, 3, hop. Waouh! Waouh! Alors attends. D'accord. Ah, mais il y a des leviers aussi. Tac. Ouais, mais il y a marqué ce levier est hautement inutile. Ouais, mais ça veut dire l'inverse, certainement. Ok, alors là, on va aller faire donc l'escalier et je pense que ça va être bon. Réessayons, cher ami, réessayons. Tac, vas-y. Ah merde. Ah merde. 1, 2, 3. C'est bon? Je sais pas, sûrement. Alors, on oublie certainement. Ah! Attendez-vous un résultat explosif, mouhaha. Bah oui, c'est ce que j'ai cru voir. Ah, c'est peut-être ici en fait, ouais, le plaque. Vas-y. Oui, en effet. Ah! Oh! 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 Oh là là! Oh, oh là là! Que se passe-t-il? Oh, ça. Oh! Effectivement. Heureusement qu'on n'a pas le briquet. Hein. Oui, alors, parce que j'ai des tendances pyromanes, moi, quand je joue. Alors, donc là, j'imagine qu'il va falloir aller appuyer sur les torches en bas. Sûrement, oui. Allons, bon, allons, bah, écoute, allons. On y va. Tu es prêt? Allez, ça y est, j'y suis. 3, vas-y. 2, 1. Oui. Mais c'est le moment excitant, nom de Dieu. Qu'est-ce que j'adore cette carte, mon Dieu, alors, qu'est-ce attends, que je l'adore. Il faut étudier tout ça. Deux plaques à pression en même temps, j'espère que vous avez compris. Vous avez donc compris que vous devez activer les deux plaques de pression en même temps, ok. Attention, ce levier est hautement inutile. Attends, ton truc qui avait marqué. Ah, c'est utile. Ah, le mien il est inutile, le tien il est utile. Donc j'ai activé le tien. Non, je l'ai désactivé au contraire, vas-y remets-le. Non, là il est désactivé. Non, d'accord, bah remets-le finalement. Tac. Est-ce qu'il y a un truc à faire ici? Parce que je vois des sortes de dalles. Ouh là là, ouh là 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 là, ah merde, c'est la case magique. Ah. pop. Essayons de faire l'inverse pour voir. Tac, oups, voilà. C'est... Ah non, alors c'est... attends, peut-être qu'il faut activer celui-là, désactiver l'autre et appuyer sur les plaques de pression. D'accord. Ah, peut-être. 3, vas-y. 2, 1, sautons sur les... Ah merde, c'est pas les... Ah ok, toi tu parles des plaques de pression en bas, donc ça ouais. Y est, j'y vais. J'y suis. Ok, 3, 2, 1. J'ai plus l'impression en fait que ça fait un pétard mouillé qu'autre chose. Mais t'auras remarqué quand même qu'il y a des torches de redstone. Oui. De torches de redstone, non. C'est, je sais pas, moi je joue mon pro connaisseur Minecraft alors que je m'y connais pas du tout. Mais il y a des torches qui sont allumées et d'autres torches qui sont pas allumées. Mm-hmm. Oh, il y a une échelle. Ah. Une personne, mais environ 30 secondes à venir ici. Ce qui signifie qu'il ne vous reste plus que 4 minutes 30 à vivre. Attends, ça veut dire que ça va péter. je sais pas si toi aussi. Alors, tu l'as j'ai compris, vu que tout à l'heure, il y avait de l'eau qui coulait. Oui, en mais effet. Mais comment on avait fait ça? Non, non plus. Essaye peut-être les deux plaques en même temps. Attention, bien, hop. Ah! C'est quoi ce bruit? Ça me perturbe, j'ai le son à fond dans les oreilles en fait. Et oh. Ok, donc c'était pas ça. Il y a une porte ici, c'est génial. Ça peut toujours servir. Ce levier est inutile, donc on le désactive. L'autre là-bas est utile, donc on l'active. Et là, on va aller appuyer sur les plaques de pression en même temps en bas et on va vite monter là-haut. Et je pense que l'eau va couler. D'accord, essayons. Bon allez, essayons. C'est parti. Vas-y, comptable. Hop, c'est bon. Ça y est, je suis dessus. Ah, j'ai entendu une porte. Ah oh, oui, le cool. Vas-y, ok, je monte. Vas-y, ouais, si tu veux, vas-y. Vas-y, go. Non, l'eau ne coule plus. Oh mon dieu. Ok, alors, on va faire ça super speed. Je vais essayer de le faire, ok. Va appuyer sur le bouton. Ah non, mais j'étais en train de penser. Vas-y, va appuyer sur le bouton et moi je monte et voir ce que ça donne. Mais en fait, non, ça marche pas comme ça. Ouais. Ok, donc va appuyer sur le bouton et moi je monte à fond, ok. Ok, ça roule.
1, 2, 1. Voilà, ça y est, c'est bon. Je suis sur le bouton. Attends, je vais aussi sur le mien. Excuse-moi. Tac. Ça marche pas ou quoi? Non, je sais pas. Attends, ah si, ça y est, ça marche. Hop, j'y vais. Ça va, non, c'est mort. Ah, c'est mort, purée, c'est super dur. Attends, reste en haut. Est-ce que l'eau coule quand même? Là. Ah, attends, j'ai entendu un bruit. Le non, cool? Rien de cool. Là-bas, il coule. Ah, attends, c'est une autre eau qui coule là, c'est de l'autre côté. Ah, d'accord, donc attends, je vais aller sur ton truc à toi. Ouais, je pense que c'est ça en fait. Je vais découvrir ta maison. Je pense qu'en fait, t'as un bouton. Voilà, c'est ça. Ok, donc reste en bas. C'est gentil, merci. Désolé. Et hop, voilà, c'est ça, il faut que je monte en fait. Tout simplement. Ok, donc là, j'ai des plaques de pression. Ça éclaire donc le truc en dessous. Ok. Et alors là, normalement, il devrait y avoir un autre truc. Il devrait y avoir un autre bouton quelque part. Ouais. Qui devrait activer cette eau là. Ouais, parce que en fait, là, je viens de sortir de la plaque. En fait, je suis en train de regarder au plafond et je vois l'eau qui coule. Mais quand je m'en vais, bah, je pense qu'on avait le même ouais, truc que c'est toi. Ça, c'est ça. Vas-y, alors essaye d'appuyer sur l'autre plaque. D'accord. Ah, par contre, je viens de remarquer un truc, c'est que j'ai que 3 points de vie et j'ai pas de bouffe du tout. Donc ça va être un peu galère. Vas-y, on essaye voir ce que ça donne. Non, c'est pas celle-là. Ça y est, on s'arrache déjà la tête. Essaye l'autre bouton là, tu sais, le truc qui dit inutile ou utile là. Alors, on va essayer le inutile. Et on voit. Non, ça ne change rien. D'accord, on va le remettre. Aïe, aïe, aïe. C'est dur ça. Ah. Essaye des combinaisons ouais, avec. Ah, mais attends, peut-être que quand tu actives celui-là et que tu appuies sur la dalle de. Enfin, la truc de pression, ça change. Ça, au lieu d'ouvrir celui-là, ça ouvre l'autre peut-être. Essaye. Alors, vas-y, refais-moi le récapitulatif. Donc, essaye de désactiver ou activer celui-là et appuie sur la plaque de pression dans le fond à droite. Ça fait quelque chose? Ça m'ouvre toujours pas le bon. Alors essaye de désactiver le levier et refaire. Mon dieu, qu'est-ce que c'est galère! C'est bon? Ah là là. Hop, je rappuie dessus. C'est bon, c'est parfait. Oh, quelle intelligence. Hop. Pour le coup, je passe pour un abruti. Ouais. Oula. Ah non! Oh, dur! Oh non, bon. Me dis pas qu'on doit tout recommencer. Parce que est-ce là, que tu veux essayer, toi? Comme ça, t'auras une plus belle vue pour ta chaîne. Ouais, une vision. Bah, de toute manière, on voit les deux en même temps, donc à ce compte-là. Alors, vas-y, monte. Au moins, maintenant, on sait comment faire à peu près. Oui, en fait, je vais plus t'écouter parce que je t'avouerai que j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé. Alors, je monte. C'est bon. Allez, ça passe. Ok. Hop. Donc, maintenant. Oula, oula, oula. Qu'est-ce que c'est que ce petit bug? Voilà, c'est bon. Pop. Alors, si mes calculs sont exacts, hop, tu devrais avoir de l'eau qui sort du plafond. Oui, je monte la rivière. Hop là, ça y est. Ça y est, c'est bon. Ok. Ouais. Parfait. Tu es plus fort que moi, c'est magnifique. Maintenant, je vais désactiver le levier et re-appuyer sur le petit bouton. Voilà. Putain, qu'est-ce que c'est compliqué, ma parole. Ouais, je vois des gouttes d'eau qui tombent, mais je pense pas que c'est ça qui va me propulser vers le haut, dernière nouvelle. Ah, ça t'a pas ouvert un truc? Non, pour l'instant, je n'ai pas d'eau qui coule. Mm-hmm. Alors, comment as-tu fait j'ai toujours... Ah, j'ai toujours là. Non, c'est bon, tu viens de couper la source de tout à l'heure, la deuxième. Tac. En attendant, vous pouvez admirer la très belle vue de TNT. Ah, ça y est, il y a de l'eau. Ça y est. This is good. Parfait. Ah. Ah. Tu y es? Pas la qui. Alors, oulala, oulala, oulala. Oh, est-ce que tu y es? J'ai peur de me casser la gueule parce que. Je peux arrêter l'eau? Oui. Ok. Oh, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Oh, tu as un escalier, c'est pas génial? Oh, excellent! Excellent, bien joué. J'ai fait le bon travail. Maintenant, faut éviter que je me casse la gueule en retombant. Alors, attends, par contre, là, je crois qu'il y a un bug parce que. Je peux pas accéder plus haut que ça. En effet, il doit sûrement y avoir quelque chose. Attends, laisse-moi chercher parce que là, il y a que des dalles en verre et j'ai peur de tomber
Comme toi tu... Non, c'est bon. Comme toi tu l'avais fait tout à l'heure. Alors, est-ce que ce serait plutôt Paraki? Non, c'est pas Paraki. Est-ce que t'as appuyé sur le... Sur quoi t'as appuyé, en fait, pour déclencher ça? J'ai appuyé sur une sorte de bouton qui était caché au fond, là. Vas-y, rappuie. Voilà, c'est ça. Il manquait des blocs de sable qui étaient pas tombés. D'accord. Allez. Je te rejoins, cher ami. Je te re-fucking-joins. Bon, parfait. On est à 20 minutes de vidéo, on va essayer de faire un truc qui dure 30, hein, histoire de voir si les abonnés regarderont. Oh C'est pas moi. On va voir si ça regardera jusqu'à la fin. Il doit rester environ 10 secondes avant la destruction complète du centre. Conseil, faites vite. D'accord, on va essayer de faire méchant. Vite. Vas-y, je vais à gauche, tu vas à droite. Ah! Oh là là! Oh vite! Oh mon dieu! Ah, le bruit de malade. Je sais pas ce qui s'est passé derrière, mais qu'est-ce que j'aimerais pas savoir. Attends, juste par simple curiosité, ça veut pas péter. Allez, comme donc ça. Là, je pense qu'on a un petit ascenseur encore une fois. C'est parti. Il y a un bouton là. Go. Oh là là, c'est tout chaud. Oh la chute. Qu'est-ce que nous sommes synchro. Alors, on passe la puerta. Oh, je te jure. En fait, ce qui m'impressionne dans ce jeu-là, c'est les gars qui ont pensé... Oula. Les gars qui ont pensé à fabriquer tout ça, et il me semble que par les gouttes rouges, c'est de la lave. Appuyez sur ce bouton pour et tuer votre coéquipier, faites-le maintenant. Non. Je te jure, gars, il y a de la lave au-dessus de moi là. Sérieux? Je vois des gouttes de lave. Et elles vont pas tomber sur toi par hasard? Parce que moi j'ai appuyé sur le bouton, et il me dit et tuer votre coéquipier. Donc à mon avis, si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez réussi à travailler en coopération. Bravo, il est mort, vous êtes content de vous. N'est-ce pas? Attends, si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez réussi à travailler en coopération. Je suis dans le. Ah! Attends, bravo, il est mort, vous êtes content de vous. N'est-ce pas? Allez, continuez d'avancer. Donc à mon avis, c'est pas encore fini. Je l'entends vous maudire dans son agonie. Ah, attends. Il veut se venger, faites attention. Ah. Vous êtes coriace, hein, c'est parfait. Il me fallait de nouveaux sujets pour tester la résistance d'un corps organique. Oh non. Les rats sont morts. J'ai des TNT au-dessus de moi. Regardez en haut, au revoir. Ah non. Excellent. Oh mon dieu. Oh là là, cette mort épique. Appuie sur... Ah bah t'es avec moi maintenant, c'est génial. Ah en fait c'était calculé. Génial. Et comme ça permet de récupérer la vie et la bouffe. Je suis devant toi là. Je suis au bout du tunnel. Ah bah, je te vois. Suis la lumière au bout. Alors, du attends. Tunnel. Vous êtes coriace, hein. C'est parfait. Il me fallait de nouveaux sujets pour tester la résistance d'un corps organique. Tous mes rats sont morts. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est ce que tu as lu tout à l'heure. Ouais. Eh, c'est pas mal, hein. C'est bien foutu cette map. Je me disais aussi, c'est pas possible, ça va pas s'arrêter maintenant. C'est un peu court. C'est excellent. Ce couloir constitue la première partie des tests sur votre métabolisme et votre aptitude à l'effort. Vas-y, d'accord. Je t'en prie. Donc, tu es où, toi? Bon, bah, je vais à droite, comme d'hab, hein, parce que je suis droitier. En fait, je te vois même pas. Je suis... Tu me vois pas, là? Je suis juste devant ton nez, en fait. Non, bah, je te vois pas. Bon, c'est un petit bug avec les spawns. Appuie un peu sur F5, je sais pas, voir. Appuie-toi sur le bouton. Normalement, je verrai ce qui se déclenche. Ouais, c'est bon, ça marche. Donc, tu es bien là. Hop. Et voilà. Ouf. Je te vois toujours pas. Bon, tu devrais apparaître dans pas longtemps. Je suis en face de toi, c'est pas grave. La seconde expérience va tester votre obéissance. D'accord. D'accord. Au coin. D'accord. Coin. Coin. D'accord. Ah, il y a une pomme. Oh, magique. Excellent. C'est puissant, mais j'avais pas vu la pomme. Oh, c'est trop. Ouais, excellent. En fait, elle devait être cachée, tu sais, dans l'angle derrière. Ouais. Je connais cette technique. Vous êtes soumis. C'est bien. C'est très bien. Ah, c'est excellent. Allez, oula. Équipez-vous et allez les abattre, tous sans exception. Oula, ça sent les monstres. Épée en diamant. Oh, la puerta es abierta. Vas-y, l'autre porte est ouverte. Ah, non. Qu'est-ce qui s'est passé? La chasse est ouverte. Vas-y, appuie sur le bouton. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a des léopards là-bas. D'accord. Ah, tu bon, ça va. Attends. Eh, ça dit pas que... Oh, bon, tant pis. Je voulais faire une super méga fin ouverte. Ah, mais c'est des petits chats tout pourris. Bah écoute, à mort. Arrête, franchement... Je sens qu'il va nous arriver un truc pas cool après. Ça me fait tellement pitié de les tuer, je te jure. Ouais, les pauvres, ils ont rien demandé. Ah non, mais c'est grave trop ça. Allez, voilà. Ah, ils s'enfuient tous là-bas. Vous avez cru que vous écoute, allez. Écoute, je suis désolé si par mégarde je te donne un coup parce que je ne te vois pas. je suis dans la pièce où il y a les portes là. Ah, je suis au bout du couloir où il y a marqué la chasse est ouverte. D'accord.
Ah oui, ils s'enfuient les petits chats, ils sont méchants. En tout cas, ça donne plein d'expérience. C'est bien. Je prends le chat qui est sur ta droite, voilà. Voilà. C'est bon. Normalement, il y en a plus. D'accord. Alors, tu sais ce que je vais faire ? Je vais juste me déconnecter, reconnecter, histoire que je te vois. Hein ? Bah écoute, on va s'arrêter ici, on reprendra pour un prochain épisode après. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Bah écoute, si tu veux, hein, moi ça me va. Ça fait 25 bonnes minutes de vidéo, on va voir si les gens accrochent un petit peu. Hein. D'accord, ça roule. Bah écoutez les gens, j'espère que ça vous a plu, cette petite map aventure. En tout cas, moi j'ai hâte de la continuer personnellement. Bah je te laisse le mot d'avant-fin. Ouais, bah écoutez, je vous dis, bah, allez vous abonner à ma chaîne et également à celle de Nagami si vous n'êtes toujours pas abonné. Et je me fais attaquer par l'homme invisible, voilà. C'est... Ah oui, c'est plus simple parce que tu vois pas où je suis. Si, je vois parce que tu es sur les plaques de pression, tu es à peu près par là. Attends. Ah merde. Ça fait le mec aveugle qui essaie de me tuer, tu sais. Ah, tu l'as. Non. Oh si, tu t'approches de moi. Bref, n'oubliez pas de lâcher un pouce comme vous voulez, de commenter, etc. Inquiétez pas, on suivra tous vos conseils. Nous sommes même ouverts à tous vos conseils. Et faites-nous part si la Nagavision et la Splinkvision vous plaît autant. Et on se dit à la prochaine pour la 12e fois que je dis au revoir parce que j'aime pas faire des zooms trop longs. Allez, salut tout le monde, ciao, mangez des nems. Yeah! 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 Yeah